il est sur la ligne. Oula, elle auto-attaque beaucoup trop les creeps. Les Vein Master. Parfait. Elle a trop la... enfin, elle a trop d'épaisse les creeps là. Gragas, c'est un bon perso, ouais. T'as un des bons persos. T'as un centre damage sur un Q-spell, je trouve que c'est abusé. First blood. Ouf. Ah, c'est même pas l'OTP Zac que je connais. Ok, je joue pas. Nice, je peux farm. Ok, je pensais pas à un Vein Roaming, my bad. Je pensais qu'elle avait back et qu'elle avait fait je sais pas quoi. My bad, my bad. Très bien joué de sa part. C'est Rafita la Vein, j'avoue, je connais app. Merde. Ouais, bon, du coup, il y a bot lane qui s'est fait déchirer en pur 2v2 et il y a le top laner qui a décalé mid en early. Faut pas que je me concentre trop sur les trades quand même, mais... Donc je peux essayer de push un peu. T'as un main ADC? Ah ok ok. Ah c'est pour ça que le wave management était pas... Ok, je comprends mieux. Je comprends mieux. Ok, on a réussi à faire notre bug sur les tabis ninja, c'est pas mal. Mais ouais, que les main ADC puissent jouer Vein top et que ça se passe alors que le perso a même été nerf, c'est trop chiant. Il y a des détests. Mais au moins on a bien pu farm pour le coup. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Nice, bien joué bot. Soyons amis pour l'éternité. Merci à Yili pour le resub et bien le bonjour. J'ai cru voir pourtant que le stun était passé, mais je crois qu'il y a eu l'animation de sa roulade qui a dû passer. Bon, nice, si on arrive à faire des solo kills contre une Vein top, ça met plutôt à l'aise. J'avoue qu'elle s'est laissée faire, frère. Elle joue sans flash et elle a... Enfin, elle avait plus de flash sur le move mid lane. Elle a vraiment trollé de ouf. Bon, Midi se prend la sauce
On va pas perdre beaucoup, ouais. Un truc. On va faire ça, ça et ça. On va se permettre l'agressivité un petit peu sur le matchup vu qu'elle galère un peu. Ouais, j'avoue que de battre une Vayne avec Gnar, c'est très satisfaisant. Après, elle est autofill quoi. Ah, c'était déjà tellement loose. Allez! Ok, il y a un kill. J'allais dire les resets, mais non, c'est eux qui ont le pied go. Nice ça. Ok, 5-5. Je vais faire proc la plaque d'os. C'est pas mal pour le salaire qui prenait la foudre. Ouais, ouais, clairement. Ah ouais, elle a pris une pause. En vrai, je pense que c'était pas idiot de se remettre full life en perma. C'est bien, là tu vois elle commence à respecter et c'est vraiment pas normal donc c'est parfait. C'est vraiment pas ce que tu veux quand tu joues Vayne. Moi aussi je peux proc mon passif ou... Je joue avec... Avec les buissons. Ok. Est-ce que je peux tenter de faire un truc? Le Drake, il faut le give. On peut rien faire. Ah. Bonjour toi. Gragas fed, c'est à peu près gérable encore Gragas. Hein. Okay, elle claque pas mal de mana. Oh, bien joué. Elle perd 2 CS pour faire juste un vieux cul de spell qui fait pas de damage. Ah, qui fait pas des damages assez intéressants à ce moment-là. Elle panique, chat. Le lead commence à se poser sur la top lane. Petite plaque d'eau, c'est activé. Faut avoir ma blague ou... Quand même. Ah, la galère. La galère pour avoir cette plaque. Ok, parfait. Je crois que c'est la première fois que je peux disrespecter une Vayne. C'est très satisfaisant. T'as un HP graze. Soyons amis pour l'éternité. Ah oui, 2000 gold en plus. Et j'ai disrespect une Vayne, chat. Je pensais qu'elle était en train de décaler pour aller aider dans la river. Mais elle était juste allée prendre les heals. Oh le con! Ah voilà, j'ai disrespect. Et on meurt. La classique bog. Comment ça se fait qu'elle te tue pas? Bah elle pouvait pas me tuer avant, Jean-Pi. Y'a ses Genkai. Si elle pouvait me tuer, elle me tuait, mais si elle peut pas me tuer, elle me tue pas. Mais là, my bad de fou. J'ai archi troll à prendre la plaque et à rester ensuite. Puis en vrai, la plaque, je l'avais, c'était bien. Enfin, je la remets dans la game alors que je suis en train de dominer Asgnar contre Vayne. Hein ? Comment ne pas se détester, chat ? J'ai un perso qui fait les mêmes choses qu'elle en 1000 fois moins bien sur la lane. Et j'arrive
à me chier dessus après avoir fait le plus dur. Et vu qu'en plus on a la team gap, j'avoue que c'était pas le moment de chier dans la colle, dirais-je. Oh la vache, elle a eu trop de chance. Elle a eu tellement de chance. Ah, le boomerang qui a pas été récupéré, ça c'est sad. Si je cuse pas les touches, elle die. Bon, le greffe est très bien dans la game pour le coup. Je crois qu'elle a une téléporte, la Vayne. Ouais, vu comment elle a recall, je vais me prendre une grosse TP dans la gueule. Non. Ok. Ah, j'ai un nice worm en vrai. Ok. Je survie. Je sais pas comment ils ont fait pour rater ce move. Ok, bon, le Zac, je sidestep, mais le Diego, j'ai rien fait. J'ai littéralement rien fait pour le Zac, pas le Diego. J'ai pris deux plaques advantage et j'ai un quasi... perfect CSing dans une game où je dois pas avoir de CS. Bon, les plaques vont, ça y est, commencer à tomber. Je peux plus y faire grand chose là, ça y est. On vient de comprendre ce champion. Les Vigo c'est foiré, ouais. Après le Zac c'est un peu foiré, je sais pas pourquoi ils ont pas fait un compte plus facile, tu vois. Ah ouais, non, les plaques c'est moi, on n'en aura plus. J'essaie de stacker un peu le méga. Avec le petit body block à la fin, il met bien. Ok, clean. Clean, clean. On va pas pouvoir prendre plus, mais au moins... La petite wave et le petit solo kill, il est pas mal. Ah ouais, le combo, il était... Il était perfect. Oh, quoique, en vrai... C'est vrai que c'est long, les temps de respawn, là. Ah là, j'ai fait l'exécution la plus rapide, c'est trop agréable quand ça passe. Elle a pas l'air d'avoir trop payé. Hein. Là où j'ai pas timé la téléporte, c'est un peu du trolling de ma part, mais... Team croqué, oh nice. Ah, c'est une bonne game. C'est une bonne game, c'est une bonne game, à part le hint quand même. Ma petite mort à la con là, de tout à l'heure. Je vais arriver. Ok. Comment on erre pendant le jump, je sais pas expliquer. Je sais pas exactement. J'appuie sur mes boutons. Genre tu, si tu ER instant, je crois que ça passe, mais je peux le faire que quand je le fais, genre, pour expliquer. Non, pendant que t'es en l'air, ça marche pas exactement. Genre, faut pas le faire en mid-late air. Genre, c'est qu'en moment du... pour l'éternité. De l'early, je crois que tu peux. Mais je sais pas exactement. Là, c'est casé. Et j'avoue que j'ai pas la data de mon perso, c'est très cringe. Je le fais juste. Mais je sais pas expliquer. Ouais, j'ai envie de voir le héros de vaille. Sur le début et sur le rebond, ça marche, il me semble. Ok, ok.
Bien joué. Merde, j'aurais peut-être pu TP avant alors. Ah bah oui, en plus. En plus, il y a la veille, je suis débile. Elle se doute de rien là ? Oh bah non. Oh, la veille de. Elle a juste envie de go next là. Ok, bon, parfait. En vrai, je perds ma TP, mais ça a permis de prendre un kill quand même. C'était close. Ça reste fine. Ça reste fine. Oh, on a un bon gear en vrai. Enfin, j'avoue que c'est pas les games où on devrait être autant. Alors, peut-être les TP. En vrai, si, je pense que la TP était vide, mais je comprends que. Dans l'idée, tu vois une téléporte, t'as envie de la cancel. Des fois, tu réfléchis pas, tu vois. Mais je pense que globalement, elle devait me laisser faire ma vieille TP toute pourrie là. C'est pas ça y est, on va dire à ça, moins qu'on puisse dire. Hein. Oh, il y avait go top. Ça se voit au Gragas de toute façon. Là, le Gragas il doit pas essayer de jouer la lane plus que ça. Ok, je pense que je peux pas plus bait. Bon, ça devient dur là. Ça devient difficile là en vrai. En termes de nombre de flashs que je me prends, c'est dommage. Je pense qu'on aurait dû go sur le Viego. Bon, pendant ce temps-là, il y a la Kaisa qui n'a pas pu jouer. Ouais, c'était pas mal en vrai. Ils étaient juste trop nombreux, quoi. C'était pas mal, sinon, je pense, mon plan. Il y avait le sac en plus que j'avais pas pris en compte et la TP de la Vayne qui a pas aidé. Ouais, dommage le Q spell de sac, genre vraiment. Non, le Q-spell de Zac peut pas réactiver si je suis en dehors de la zone, mais j'étais encore un tout petit peu dedans. J'étais encore un peu dedans. Je vais stacker un peu mon méga. Le grave, c'est un peu dommage, il y va trop tôt. Bien. Il va y aller direct, le Sylas. Gradia, je peux pas le tuer. Ouais, il a trop de CD. Ah, avec les bestioles là, les pustules, ça va être dur ça à chaque fois. Le speed push, ouais, elle prend la tourelle, hein. Putain, ça c'est trop frustrant. Ouais, ils sont en train de fight mid. Pendant ce temps-là, je vais essayer de taper un peu la tour. Dur. Oh, dur, dur, dur. C'est Baron, ça. Hein. Ça, c'est Baron. J'ai des escapes aléatoires dans la game. Je trouve. Ciao. Ça fait deux dodges de fight qui n'ont aucun putain de sens, genre. On prend, hein, mais. Bizarre qu'ils aient pas fait le baron, par contre, ciao. Merci Evo, ils ont refusé le baron Ashore pour faire cette action quand même. Bah ouais. Oh, alors ça par contre, je n'avais jamais vu cette animation de Boomerang. On peut pas baron sans Vazeri.
Ça a un poil overstay. Ah, j'ai déjà le Graia qui remonte. On se casse. Ah ouais, ouais. Laissez-moi tranquille. J'étais vraiment en mode ah ouais. Alors là je suis en danger. Oh, my bad. Bon, ce qui est bien c'est que vu que la veille n'a pas bien joué, on n'est pas derrière, genre, ce qui est une bonne chose. Je suis même un petit peu devant. Ce qui me permet de jouer encore le side. Merci beaucoup à vous pour le sub, en tout cas. Passé à vouloir faire que ça du speed push. Ah, attends, mais il y a eu un R. J'ai cru qu'elle avait dash de l'autre côté. Il y avait un R de Graves à mettre dans mon move là. Ils se sont toutes collés à moi, ils ont juste oublié que bah, je suis quand même un perso qui peut être pas mal au corps à corps quoi. Le méga a fait son boulot là. Heureusement que j'ai fait la bonne petite TP en vrai. Vas-y go, go start un petit peu là, Zeri arrive. Non, c'est pas idiot comme call, moi j'aime bien. J'ai mon flash. Elle a pas de flash donc. Parfait. C'est bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Vous pouvez pas rêver mieux. Et ok, on a eu un kill sur Viego en plus. Ah, il s'attendait pas au méga Gnar, mais c'est ça qui est trop bien avec Gnar par contre, vraiment. Ça fait le travail, hein. Là, on a fait un sacré taf dans les derniers fights, ça m'est plaise. Ok, cool. Ouais, c'est une bonne game. À part ma première mort qui est vraiment nulle à chier, on joue. On joue, on joue, on joue. Non mais Rumoné, la seule raison pour laquelle cette game je peux la jouer et qu'elle est gagnable, c'est parce que mon adversaire est un autophile ADC. Sinon Vayne en vrai, en fait, faut dire que je vais affronter des joueurs trop forts sur le jeu et là bon, elle est trop nulle par rapport à la top lane, mais c'est un joueur qui s'est pas trop mal débrouillé en vrai. Pour un autophile. Elle est pas au niveau qu'elle devrait être, tu vois, sur le match-up. Je devrais pas être dans ce rôle de bon carry. Par contre le Graves il fait plaisir, c'est rare que je vois un Graves qui arrive à faire une aussi belle performance. Ok. Voilà, y'a le Graves qui est en train de push en side. On a la T2 bot aussi. On va faire Jacques Chaud. Comme ça, ça me fera un peu d'MR, mais c'est pas trop important la MR dans cette game, je trouve. Donc un peu d'MR, c'est cool. Mais derrière, ça va me mettre bien en termes de tankiness global. Le Graves m'étonne, j'en vois vraiment énormément des Graves jungle, mais j'en vois surtout faire de la merde. Ouais, un peu, c'est un peu pareil, le truc du... ça marche pas très très bien généralement. C'est vrai que j'ai pas besoin d'être le farmer de la team. Surtout je peux aller bot, j'ai ma TP qui va être up. Faut juste tenir le side et c'est pas très dur là. On a un item anti-advantage. Donc on peut tempo le side.
Ah, bonne journée à toi, Noyo. Ah, y a toujours les rediffs de dispo. Hein. On a vu la veine. Oh, c'est big ça. Le Salias aussi, hein, qui est bienvenu dans sa game, mine de rien. Bien joué, ouais. Il a joué le Gragas. C'est DPS un max, il n'y avait plus grand chose à faire pour moi. Oh, c'est tellement bien joué. Oh, dommage, Shamer. Ok, on a clairement overstay. Oh, je jure. Ça, ça joue, hein. Ça joue, ça joue, ça joue. Je sais pas si. J'achète pas une potion. C'est combien de temps le baron? Ouais, la potion elle a une value. Hein. Dans les 3 prochaines minutes, c'est sûr qu'on va jouer un objectif principal. La potion aura plus de value qu'une cape du néant. Ah, écoute la game, ouais, franchement, il y a un bon niveau. Elle est satisfaisante. Il y a des plays un peu de tout le monde, il y a des erreurs un peu de tout le monde. Personne n'est parfait. C'est le genre de game qu'on aime bien jouer. Ouais. Mais surtout, ouais, ce Graves est. Genre, il a bien power farm, mais il a réussi à faire des ganks tout en n'ayant pas forcément des lines évidentes. Parce que, bah, top, c'est pas simple à jouer. Mid, ça se passait très mal. La Vayne a quand même fait une sacrée décale en early game. Je vais pas aider ça. Il y a eu flash de. Enfin de Viego, mais. Alors je dis qu'il y a des erreurs, mais j'en vois quand même un pour en faire régulièrement, quoi, je trouve. Alors, il y a son petit frère qui l'a suivi, malheureusement. Oh non. Ok. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. C'est une game pour YouTube, ça. En vrai, j'aime bien, elle est assez sérieuse, quoi. C'est pas le divertissement en termes de. Je stream, mais du coup tu dois être bien concentré et elle est cool, tu vois. Non, ils ont fait le drake, non? Ah non, merde. Oh, j'aurais tellement... Ah non. C'est-à-dire j'aurais tellement pu jump in. Ah, ils ont fini le drake. Par contre, non, on peut la choper, hein, la veine. Dommage. Je pense qu'on aurait pu. Ah, j'avais pas vu la fin de son message, quel enfoiré. Ah, je la trouve très cool, la petite vidéo. La petite vidéo qu'on a pu mettre en place. Bon, là j'ai pas de flash pour faire des plays. Y'a pas de flash sur Viego, c'est toute l'info que j'ai. Putain, la vache, frère, le nombre de CC. Je vais vous laisser d'aider, mais. Oh la vache! Mec, ils ont fait que de se téléporter en face, hein! Genre, c'est arrivé de partout! Je pourrais demander, Dractor, ouais, y'a peut-être moyen. Ouais, la Renata, je crois qu'elle m'a W moi.
Au début, j'ai cru que le Zac avait encore une fois chié dans la colle, hein, je vais pas te mentir. S'il en a fait des engages bien nul à chier, mais celle-là, pour le coup, ça a fait le travail. Et là, ça devient dur parce que Vayne en ultra late game, ça commence à faire des sales damage. Et toutes leurs compos commencent à bien scale. Le Graves, il était level 16 contre level 14. Il est toujours level 16 et il reprend le level 16, le Vego. Aïe, aïe, aïe. Et Avengers, c'est un peu ça, ouais. Un peu d'overstay, peut-être. C'est vrai que les supports dans cette game ne sont pas... ne sont pas ces MVP. J'ai tenté une TP lointaine. Ok, nice. Ok, nice. Je pense qu'on peut finir la game. On l'a ramené en deux fois là. Allez, allez, c'est win. Non, il est tel game, la vache, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mon pote. Ah, la TP, elle fait plaisir parce que du coup, ça chope la Kaisa. Et on peut gagner là-dessus. Ok, cool. Très, très cool. J'ai bien aimé. Les pings étaient bien faits. Il y avait la bonne communication. On sent le chat, évidemment. Mais jusqu'au bout, elle était tendue. Jusqu'au bout, c'était tendax. Ils vont péter un plan en face. Bah en vrai, ouais, c'était... Après, c'était greedy de leur part, là. Le push à la fin et de rester pour essayer de bait. On n'a pas fait de damage dans la game, mais c'est normal, en vrai. Totalement logique. Mais ouais, c'était dur. Hein. Et ouais. Gros autofill qui a fait, du coup, une game qui est fine hein, pour un auto... Les autofills, généralement, ils se font claquer les fesses au top, mais... Mais Vayne existe. C'est vrai que les ADC, ils aiment bien prendre Vayne top quand ils sont autofill. Et je les comprends, malheureusement. Malgré les nerfs, le perso reste plutôt fort. TF top aussi, hein, d'ailleurs, marche toujours, même les deux nerfs. Ok.